ce sacrifice que ça prend pour rapper. Pour que cette PD adopte mon son. Je dégainer des beats, fais-le. Faut que je sois presque comme un zombie, ok? Faut que tu me comme si je suis un homme. Faut pas que je sois énervé des faces de Tog. Que j'ai un verre comme si je suis mort. Dis, mais lui, il a pas d'âme, lui. Il s'en fout, il veut juste la zègue. Regarde ses bracelets. C'est le fils du diable, regarde! Lucifer qui me guide dans ma démarche. Le pape Benoît idolâtre. Et sa collection de Ferrari béni. Ouais, je sais que t'adores ça, mon petit négro. Les longs canons, les gros pistolets, les Uzi, le calico. Je dégaine des bites, fais-les. T'entends, négro, hein? Pour tous ces petits fanatiques, t'entends qu'ils veulent, hein? Qui veulent cette merde pop, t'entends cette merde populaire. Why not crache-feu, j'entends? Ou si Jones crache-feu, non? Mais qu'est-ce qu'ils vont bien faire, ces négriles, hein? Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. Il y a du sang sur mon argent, j'entends? Tu restes sale, hein? For getting down. Must stand and face the hounds of hell. Mais qu'est-ce qu'ils vont bien faire, ces négriles, hein? Vous êtes tous contaminés. Grippe porcine? Non. Roi Enoch, la contamination, t'entends? La fusion criminelle trilatérale. New York, Paris, Montréal. Tu vois ce qui se passe? Aucune cure. Lorsque je crache le feu, laisse-moi pas te mettre dans ma mire, tu vois ce que je veux dire? Alors, tu rap, bande de petits négros de merde, rapper, et on verra avec le temps. Salutations à tous mes béquets qui laissent les négros manger, tu vois ce que je veux dire? J'adore la France car ils sont très intellectuellement renseignés et éduqués. Maintenant, ils peuvent visionner le truc. Mettre du sirop d'érable sur mon cap de gland. T'entends ce que je veux dire? Et maintenant le... Ouais, négro. Jean-Marie Beauséjour de son vrai nom, il m'apporte. Petit, juste pour moi. Pour me garder en vie. Cristallisé, l'hydroponie cristallisée. La compétition est non contrôlée. Comme les Français, on roule. Oh, comme les PD français, on roule. Comme eux. La bohème. La bohème. Un feu. Où est ce putain de feu, mon frère? Lorsque je tiens au spectacle de... J'avais ma lame de rasoir prête pour sa joue, pour le découper. Salutations à toute la mafia Kinfree, Mokobe, Rimka, Kerry James. J'ai tellement de travail à faire, je sais même plus par où commencer. Plein de trucs à finir. Mais au moins... J'ai du plaisir. J'arrange le son de deux mecs de Queensbridge avec le roi Enoch. Tu vois, c'est
Je changerai même pas mon taf pour Sarkozy. Pour celui de Sarkozy. Tellement que mon taf est quelque chose qui fait plaisir. Fumer de l'herbe avec les mecs du Queensbridge, comme lorsque j'étais à la maison, enregistrer des pièces, c'est mieux que baiser des putains de meufs, tu vois, c'est encore mieux que baiser les meufs. Le rap musique, lorsque je chante, le son est chaud, lorsque je découpe le putain de morceau, c'est comme si je baise, mon frère. Gangster et gentleman, bande de petites putes. Chaque jour, des femmes, les femmes, les femmes. Chaque jour. On est à Montréal, dans un coin d'arabe. Ça se passe à fond. Les camions de luxe sont garés. Les jantes 26 pouces. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu vas grandir? Qu'est-ce que tu deviendras lorsque tu seras grand? Hein, mon gamin? Pose-toi la question. Toutes sortes de télécommandes. Télécommande 1. Télécommande 2, télécommande 3, toutes sortes de putains de trucs, télévision, tout ce que ta femme veut. Et on n'arrête pas un autre putain de négrito qui vient de se faire tirer. Et on n'arrête pas un autre putain de négrito qui vient de se faire tirer. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont putain de faire, hein? C'est là, hein, le futur. Salut la France, moi je suis le prince, on t'en est gros, je connais l'hydroponique, t'entends, j'ai un PD. À tous ces blancs qui font du rap, qui arrêtent de faire du rap gay. Moi je ramène cette misère, le patron, avec un nouvel bib. Qui va s'intituler avertissement. Plus il y a l'argent, plus il y a de problèmes, plus il y a de poudre blanche, il n'y a rien qui change. Il y a toujours de l'hydro, il y a toujours de la cocaïne, il y a toujours les armes à feu. Il y a toujours les junkies, les putes, la même misère. Il y a toujours cet argent sale. Il y a toujours ces pédophiles de merde aussi. Hein. Et qui mettent de l'hydro, je fais plus de fusil. Et maintenant, et je vais toujours suivre, je vais toujours assis derrière, à son dos. Tu comprends? Quelqu'un touche, quelqu'un me touche. Quelqu'un approche, il m'approche. Quelqu'un regarde, il me regarde. Entendu? C'est ça qu'on appelle le gangster. Le nouveau terme, hein, ce sont les OV, original voyou, t'entends, OV. Car chaque jour, il faut que on arrange cette putain de langue. Hein, vous êtes insécure. Moi, je vous parle en français. OV, original voyou. Hein? Je sais que t'adores mes putains de termes, petite pute. Dans la Cayenne-S de... Il faut absolument mettre des gens, c'est un minimum, peut-être un... Moi, je vais suggérer... non, peut-être un 20, 23 pouces de jantes. Bon, ça va te coûter peut-être pour les 3 pièces 16 000 euros. Moi, je crois que peut-être noir avec la lèvre machinée, peut-être poli, chromée peut-être même. Mais seulement la lèvre. Et on va prendre ça en profondeur, donc 3 pièces avec boulon, c'est le bordel. Le bordel, totalement. J'ai la connexion avec le mec arabe, là. Il est chaud, là, le mec de hier. Ouais, ce mec-là. Ouais, le mec qui a la Mercedes, là, c'est chaud, là. Ouais, ce mec-là, c'est chaud, hein. Il a le showroom. Oh, yeah. Moi, j'étais trop chaud avant, là. Yo, on est là. Ici, c'est le quartier chaud. Les choses se passent à fond. On vous emmène voir G4L. Bon, c'est encore un coin où il y a des HLM. La drogue à fond. Hein. La drogue est à fond à Montréal. Faut pas qu'on se trompe. On est en Amérique, donc c'est francophone, mais il y a des nègres, il y a toutes sortes de races. Alors, lorsque il y a de la misère, c'est la même chose, c'est la même merde à travers le monde. Les gens vraiment ont un problème avec la drogue forte. Et entre autres, le crack,
T'entends, la consommation de crack est de plus en plus élevée à un jeune âge et dans la communauté noire et latino, même les Arabes commencent à consommer. Le crack ruine tout autour de moi. Je suis grossiste, alors je me spécialise, t'entends, dans ce que tu recherches. Nous, on se spécialise comme on est genre de purolator de UPS. T'entends, on est des jeunes entrepreneurs. T'entends, jeunes noirs entrepreneurs. Moi, ouais, comment je me spécialise, c'est quoi dire? Jeune entrepreneur. En coupure de vin, jeune entrepreneur. Dis-leur que t'es un entrepreneur, car c'est beau qu'on parle, on parle, mais un entrepreneur est un entrepreneur. Nous sommes des jeunes entrepreneurs, Yves-Sud, jeunes entrepreneurs, jeunes noirs et entrepreneurs. Alors, faut pas cacher qu'on est des jeunes entrepreneurs. Hey! Tous cinglés, OP, on est déréglés, tous voyous, on vient régulariser en 760 IL rabaissé, monté sur des Pirelli, on fout le bordel, rap pour mes criminels, mais OG, fumant le calumet de la paix comme un chef indien. Why not, l'arrogant, le brigand, braquage, mafia, le supernova, fréquent comme 100 millions, transigeant, coke et marijuana, armé et dangereux, je crache du feu, vide mon chargeur sur ton cousin, pour son câble à diamant. Why not, la merde qui augmente le crime et qui réveille les infirmes. Voilà, on arrive dans le quartier de Jekatel, regarde ce qui arrive. Jekatel, tu vois ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe, vous voyez ce qui se passe, des Cadillacs avec les 26 pouces, ouh, escalade, c'est ça, plus de poudre blanche. Le clan peut être aussi imposant que le Titanic, mais je le coule doux comme ton sang qui se déverse sur le vous corps. Voyez le genre de gens, les escalades, venez voir. Voilà, venez jouer. Oh shit, il doit autant les vidéos, ça. Damn red, 14 inch TV, man. C'est pas ce que j'essaie de dire, j'adore de voir ça. Vous voyez le style de jantes avec des... Putain, il y a des diamants dans ces jantes. C'est chaud. Saint-Michel, c'est chaud. Et tous mes négros font ce qu'ils ont à faire. Assure mes départs. James Lescroux, dans l'aile, c'est respect au reste fait. Si tu m'essaies, c'est ton certificat de décès. Devant GG, tu es moche. Vite tes poches. Ça arrête, gentlemen, les G4L, t'entends? Les motocyclettes appartenant à des négros, t'entends? D'au moins 45 000. 25 000 juste en accessoire, t'entends? Juste en accessoire, 25 000. Avec des putains de pneus gris. Pour que ça colle plus, pour que ça adhère à ton cul. MTL, motherfucker! On soulève notre quartier, nous! Check les gars, comment ils sont? Ils sont tous armés! Les choses se passent ici à Montréal! Putain, arrête d'ailleurs! Toutes mes Français, à toutes mes rebonds en France, à toutes mes renois, que Montréal, c'est pas une ville d'homosexuels! Les gars sont live! Les gars, il faut qu'est-ce qu'il y a à faire! T'as le GNG, t'as le crack, t'as le J4L! On représente tout le monde, cette putain de ville! On arrive en toute une beauté! Le char le moins cher, ça coûte moins que 100 000! Record, represent, for say, anytime, yo. Young the whole C's. Squad, tous les gars, man, across you Canada. Mount Real, yo. We're real, bilingue à son meilleur, Montréal bilingue, t'entends? True C, man. Bilingue. Dans le monde, arrêtez de snitcher, motherfucker. Worldwide gangsters don't play about that. Gangsters, fuck police, yo. Police. Attends, on va faire ça. Attends, la police nous emmerde, t'entends? Je peux pas leur parler. La police nous fout les boules. La police nous fout les boules. Yo, Chase! Il est chaud, on n'a pas de police, il est chaud ouvert. Juste pour ça, tu vois, juste pour ça, il vous écoute. Ok, il faut aider l'environnement. Il est chaud. J4L, livré dans cette putain de ville qui font les vraies choses. GG! Dans les véhicules, 4 roues motrices sont soif en Porsche Cayenne. Contrôle MTL, contrôle MTL! Why not? GG! Cette grosse pouvoir et argent. Ma démarche te narre et je parle trop. Je vais tirer ton bave quand tu vois mes joyaux. Ils m'ont fait je me garde, tu comprends le tableau. Plusieurs sont graves et ne font pas de cadeaux. Les fonds du grave, transportés c'est un bout. Comme des entraves dans un état de sachou. Attention, James Lescroux. Encore une fois, j'ai des chiens partout, j'ai des chiens dans tous les HLM. T'entends? Même dans le 92, hein? Même dans le 94. Alors si tu veux pas que mes chiens, ils aboient,
tu te calmes. Salutations à mes criminels de Saint-Michel, t'entends, les choses se passent à fond. T'entends? Tu sais comment que les roches courent librement dans leurs mains, hein? Les roches courent libres. 4 par 4. Hein? Le mazout coûte cher, alors on s'achète d'un 4 par 4. Bande de petites putes, allez. Je viens dans le quartier, hein, où il y a des nègres, ça se passe. Pour tous ceux qui disent qu'il n'y a rien qui se passe à Montréal, t'entends? Je suis dans la maison de Snagashi, t'entends? Hein? Le Real City King, t'entends? Bande de petites putes, t'entends? Et je suis pacté, t'entends? J'ai le G-Pact. C'est comme ça qu'on passe la drogue, t'entends? Hein? À travers les douanes. Parce qu'on n'a pas le droit à plus que 10 000 feuilles. Alors, on se pacte. Essaye de venir le freeze là, là, devant le dep. Le petit pute. Essaye. Il y a deux types de rappeurs. Il y a les clowns de l'industrie et il y a la rue. Et là, vous êtes dans la rue. Les clowns, c'est ceux que tu vois à Musique Plus, ceux qui passent à C'est quoi. Tu vois, comprends ce que je veux dire. Du rap comme nous, ils ne veulent pas en passer. Pourquoi? Parce qu'on dit les vraies choses. Moi, je suis le côté noir du Québec. Fait qu'on veut pas que le côté noir du Québec passe. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui se passe. Vagabond, full corps. Sur le pont avec un chapeau de paille. Ma boîte, je suis pas paille. Mon chien, c'est belle bagaille. N'est pas get up pour bataille. Parce que tu sais que t'es pas taille. Et moi, mon plan n'a pas de faille. So relax, people. Tu vois que je ride jean. So tu veux ralentir mon processus. Pour que tu shine, motherfucker, toi, il faut que tu suces. Mais dans mon leg, tu te fais bang. Si tu m'empêches de hang. Ou si j'entends que tu hang. Avec les soins d'antique. Gang, bitch, tu prends des offres. Un mot de plus, motherfucker, man, tu prends des coffres. Next thing you know, je grab mon clock qui était dans mon coffre. Et on va ship ton cadavre jusqu'à caisse coffre. Et on va célébrer en sirotant un bel boss. Si Saint-Michel me tient, t'entends, j'ai de l'amour ici. Ici, un gangster, t'entends? Donnez la brillance à tous les jeunes. À l'avenir, t'entends? C'est l'avenir, ça. 67, dans le petit but. 67, 67, dans le petit but. Ici, il y a une guerre à Montréal. Blood, Crips. Moi, je mets les deux. So fuck ceux qui hate. What's up, monsieur? Nous là, oui, nous là. Ça guère, oui. Et Jeff qui a pas la veine de vous, monsieur. What's up? Snagashi. Nous là, oui, monsieur. What's up, Montréal? P9, Saint-Michel. RDP, stand up. Toutes les routes, Canada. Toronto, USA. Miami, New York. What's up? I got you, I see you, hood fellas. En tout cas, monsieur, m'pap perdit avec nous, hein. M'pap quitte caissé pas la veine, nous, hein. Finavo, oui, monsieur. Crim Squad, Fet Clip, 67. Asian Mob. Rap 67, Crim Squad, Fex Click, VFK, you know how we do, aïe. Rap 67, Fex Click, haïtien. Rap fait haïtien, yo, tout haïtien, Montréal, France, Miami, New York, Haïti, ou quand ils ont baillé, yo, fait, aïe. Rap! L'union fait la force. Oh! Who else among you all who can do this, man? For those who don't know me, I go by the name of Young Snagashi. Dans Saint-Michel, c'est là que le monde vient faire leur coiffure, you know. Là, t'as le boss, you know. Haïtien all the way. On Asian Mob, Vagabond Full Club. Ligne de vêtements, VFK, the president, the chief. And now we do. Yes, VFK, you know. Vagabond Full Club, combine. Le sin, Casey combine, toujours en vie, bonne pitié. You know what it is. Watch a beautiful feeling. I don't put the vest on cause niggas be snitching. Alors là, on va aller faire un tour sur Robert aka K Street. C'est une rue qui a beaucoup à dire. On s'est passé des choses très importantes là-bas par rapport à mon quartier, à toutes ces affaires de gang de rue et tout ça. Alors tu vas pas filmer l'intérieur? On filme jamais les intérieurs de voitures et tout parce que le monde roule avec des choses assez lourdes. Et puis ces conneries de gang de rue là, puis là, la police qui fait des investigations avec les DVD maintenant. Fait qu'on peut plus fumer l'intérieur des voitures. Prac, shout out à Roy Dog, you know. Woo! What up, next? This one is for all my gangsters who's representing that turn in second letter, man. All my gangsters all around the world, you see. Cause I got
toujours pris le rap sérieusement, mais j'ai vraiment pris le rap sérieux quand que mon meilleur partenaire est mort, justement. Puis là, je me suis dit, OK, je vais prendre ça comme vocation pour le faire son nom, pour que le monde connaisse son nom partout. Donc, j'ai décidé de faire le label Fex Record, Fex Entertainment, où tout le monde peut connaître le nom, puis j'ai une histoire à raconter, puis c'est ça, man, je veux pas qu'il meure en vain. C'était très violent. C'est une histoire un peu bizarre, c'est qu'on était dans un club, puis là, dans le club, il y avait du monde de plusieurs sets différents, plusieurs gangs, plusieurs groupes différents. Ça a commencé par un malentendu, un beef entre deux personnes, puis ça a allongé jusqu'à l'extérieur du club à 3 heures, où tout le monde bouge avec leurs armes et tout, fait que ça a commencé à tirer de partout. Puis dans la fusillade, il y avait comme 12 à 13 armes impliquées dans la fusillade, mais lui a mangé 40 ou 44 projectiles. Il n'a pas pu survivre à ça, donc il est mort là-dedans. Peut-être que ce n'était pas sa journée parce que tout le monde était à la même place, mais c'est lui qui a mangé presque toutes les boulettes. Ce truc-là était tout rempli de fumée, personne ne voyait plus personne. Le monde tirait, fait qu'il a commencé à courir d'ici jusqu'au bout, mais pendant qu'il courait, le monde continuait à tirer de partout, fait qu'il a mangé vraiment beaucoup de projectiles jusqu'à ce qu'il arrive à sa destination, puis là, c'est là qu'il est mort. Le drapeau d'Haïti, c'est bleu et rouge. Et rouge. Ici, la grande guerre, c'est entre bleu et rouge. De la communauté haïtienne à Montréal. Fait qu'on a décidé de prendre le drapeau, de mettre un mouchoir bleu et un mouchoir rouge, en essayant de faire l'unification des deux. Ceux qui aiment, ils aiment. Ceux qui supportent le mouvement, ils supportent. Ceux qui supportent pas, ils supportent pas. Mais nous, on a une cause à défendre, on va la défendre. Puis je crois que ça va se faire par la musique. Fait que moi, j'ai pas de problème à faire des collaborations avec des bleus, puis faire des collaborations avec des rouges. Je sais d'où ce que je viens, je sais de quel quartier je suis, puis je vais jamais cracher dessus. Lui là, ok, j'étais à sortir, pas tout le temps de frapper, tu le tires direct. À cette époque-là, bon, moi, il fallait que je sois DJ de la soirée. C'était comme, dans ce moment, je m'appelle DJ Love ED, c'était comme un comeback pour Love ED. Fait qu'à l'occasion, le promoteur m'avait invité pour retourner sur l'étape tournante. Puis finalement, bon, je la jouais, je faisais la vedette là. Fait que j'attendais, je faisais les gens attendre pour arriver puis donner une ambiance. Mais finalement, j'ai pas pu venir parce que ce soir-là, j'ai perdu KFX. KFX, c'est quand même un petit fort dans l'aile là. Fait que grosso modo, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, j'ai juste arrêté d'être DJ puis j'ai commencé à rapper. Je viens d'aucun secteur et la rue, mon âme sœur. Il y a un 45, c'est Jessica, Sabrina, Douce, Bruce, hier là, Bruce. J'étais déjà vigilant, mais maintenant là, c'est comme, je peux dire ma vigilance, elle accote la paranoïa, tu sais, comme toutes les voitures qui sont suspectes là dans le quartier là. Soit bien qu'on regarde ça très louche. Je fais pas confiance à la police et je fais pas confiance à des voitures remplies de négros. Ici, c'est pas des policiers qui font des enquêtes là. C'est quoi? C'est des policiers qui te donnent des amendes. C'est quoi? Tu penses vraiment qu'ils vont calculer? C'est un nègre qui est mort. Donc on s'en fout là. Regarde, ça va faire plus de maintenant 8 ans que c'est arrivé, puis les policiers, ils font absolument rien. C'est des choses de gangs de rue, des noirs qui se tuent entre noirs dans le ghetto, puis tout ça. Les policiers, ils sont pas. Ça, eux autres, au contraire, on dirait que ça leur dérange pas. C'est juste des statistiques, c'est bon pour les livres, là. C'est bon pour les calculs mathématiques. À part ça, c'est quoi? Ils vont pas chercher c'est qui le coupable. C'est comme. Ça fait deux statistiques. Un mort, un enfermé. C'est ça que ça donne comme statistique. Fait que nous, on a combattu le crime. Hey, I walk the walk, I talk the talk. This ain't
Compton, no uptown New York. This is real city, all up in the CA. Yeah, it's kind of cold, but shit gets hot with the gunplay. When they just pop their guns, beef we clapping some. Heard use a GI in school, we can knock them some. When niggas lose their guns more than 10 times, cap back, losing one, go cap to nine. When niggas spark their cars and argue all day about who's the best friend, Charlie's red man is called King. I don't give two fucks about who run this scene. It's le voyou de voir que je présente Cindy. Elle va vous raconter un peu son histoire qu'elle a vécue à Montréal. Fait que vous allez voir, c'est du real talk. Right. À Montréal, comment je peux expliquer ça? C'est dangereux quand tu connais pas vraiment. J'ai emmené mes trois enfants au parc pour qu'ils s'amusent. J'ai été un peu plus loin, fumé ma beuh. Quand je me suis assis, il y a une voiture qui a passé. J'ai été atteint d'une balle de 22. Je me suis relevé en tenant mon cou et j'ai été chercher mes trois enfants. Je les ai emmenés à la maison chez ma mère et j'ai appelé les ambulances. Et quelques mois plus tard, je suis sortie dans une discothèque à Montréal. La même chose s'est produit encore. J'étais là au mauvais moment, en plusieurs occasions. C'est pour ça maintenant je sors plus. Je reste à la maison. So if you won't leave, you can't find me. In here, what you want is guest to birth. And if a nigga looks too much, we say best is you. Alors enfin je me suis fait attaquer, j'étais passionné là. Comme d'habitude, tard le soir, le monde sait que je dois rentrer dans la voiture une journée ou une autre. Quand je suis stationné pour rentrer dans la voiture, ben, ils ont dribblé ma voiture de balles, puis c'est ça qui est ça. Dieu a fait que les balles ont juste pris la voiture, pris la carrosserie. Il y en a qui sont rentrés à l'intérieur, mais il n'y a aucune balle qui m'a touché. Fait que tant que Dieu n'est pas d'accord pour que je m'en aille, fait que je m'en irai pas. À Montréal, ils n'en parlent pas parce que notre gouvernement, comment je peux dire, il est très comme un diplomate pour bien étouffer tous les drames et toute la guerre civile qui se produit, vous savez. Mais c'est vraiment très sérieux à Montréal. Pitbull Black Nose, 4 mois, très féroce. C'est deux packs, hein? Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour. Hein? Ok, c'est beau. À ce genre de chien comme ça, quand tu quittes ton appartement, tu peux laisser les portes ouvertes. À moins qu'il y en ait qui vienne son flingue qui le bute là, mais c'est très, très fiable comme chien de garde, très fiable. Hein? Bien cheesy. Pow! Coupé de l'île! Ouais, la peau! Expo! Après, mais c'est l'autre partenaire là. Comme une fois où je veux. Le commencement des gangs de rue, c'est vrai qu'il y a Saint-Michel, mais aussi il y avait un parc. Plus dans le coin de Pinot, dans le quartier Saint-Michel, où ça avait vraiment commencé les affaires de bleu et rouge. Mais ça, c'est dans l'ancienne génération. Mais c'est vraiment, ouais, Saint-Michel, et c'est le berceau. T'entends? Why not? T'entends? 67, Saint-Michel. Bon, il y en a la réputation, puis c'est quand même, c'est trouvé avec les gangs de rue. Alors, les gens, ils craignent pour leurs enfants. Oui, c'est très alors, chaud. C'est très chaud qu'on entend parler que ça. Là, je pense que c'est un événement quand même qui démontre une problématique de Montréal-Nord qui est là depuis plusieurs années. Pas depuis seulement avant-hier, depuis les événements. Mais là, c'est tellement chaud que ça frappe l'imaginaire. Mais il y a quand même les gangs de rue qui sont là depuis 1985. Ils étaient là, les gangs de rue, avant. Oui. Après l'appel au calme lancé hier par l'ensemble des membres de la communauté de Montréal-Nord, c'est aujourd'hui un appel persistant pour la tenue d'une enquête publique et indépendante. Tout d'abord, maintenant, vous parlez donc des funérailles émouvantes qui ont eu lieu ce matin pour le jeune homme tué par les balles d'un policier samedi soir dernier à Montréal-Nord. Dans les secondes qui ont suivi l'impact, la victime a perdu connaissance, elle a perdu beaucoup de sang et son décès a été très rapide. 67 Saint-Michel, t'entends? Hein? Snagashi, the real city king. C'est vraiment un ghetto vraiment que les nouvelles n'arrêtent pas de dénigrer à cause de tout ce qui se passe avec les affaires de gangs de rue et tout ça. Mais on n'est pas tous des méchants là, on rit aussi, regarde, tu vois, j'ai le sourire, je suis là avec mes gars, puis on prend ça très très relax, très posé. C'est pas à chaque jour qu'on se tire dessus ici. Faut pas croire tout ce qu'on se dit, tout ce qu'on dit aux nouvelles.
Mon album qui sort, c'est Colleuse. Colleuse à cause du bleu et du rouge, et aussi du noir et du blanc. Et que c'est de ça que je parle dans mon album. C'est pas... Il n'y a pas juste Crip et Blood. Tout n'est pas toujours bleu et rouge. Des fois, c'est nuancé, puis le monde doit comprendre ça aussi. C'est un quartier quand même. Mais pas là si t'as rien à faire ici, là, vous devrez. Donc c'est ça. Quand on boit de l'eau, on boit de l'eau cristallisée. Du cristal. C'est le sort d'eau qu'on boit quand on est dans la rue. Ça commence à 15, 16, 17. Tout le monde qui travaille pour leur argent, là, ici. Là, tu commences à rentrer dans le 20, 22, 24. Hein? That's some 24s. C'est ton 24, you know? So, c'est comme ça, nous on vous encourage tous, man. Hustling, faites vos shit, tu comprends? Faites vos affaires. Fraud, shit, selling drugs. Depuis que t'arrives dans ton domaine, tu comprends, man? C'est ça l'important, tu comprends? One life to live, tu comprends? C'est tout. Faut être vagabond full cop, t'as pas besoin d'avoir des millions. Juste avoir un rêve, tu fixes ton rêve, puis tu en sautes, tu fais tes affaires, tu fais tes mouvements, tu as un but, tu avances, tu sors ta mère du road, c'est ça, that's it. Juste de l'or, mon gars. L'or, diamant, that's it. Elle met des bijoux qui sont lourds. Cream Squad, ça c'est mon Lego, gérant et tout. On fait des plates, tu comprends? Ça c'est mon quartier, 67. The world is mine. C'est pas du Ardennes, là. Tu peux le prendre comme Scarface. Ou si tu veux, tu peux le prendre comme un clochard, tu comprends? Quand nos souliers sont sales, on prend un billet de bain, puis on le nettoie comme ça, tu comprends? On nettoie nos souliers avec ça. Même les chiens, ils bolent, tu comprends? Même les chiens, ils ont des millions à leur cou, tu comprends? Même les chiens, ils bolent, tu comprends? Ça, c'est pour qui, you know? That's it. Cristal, la vidéo en c'est bon pour la journée, là. C'est bon pour la journée, oublie ça. Avec la boisson magique, c'est l'eau, là. La boisson magique, il n'y a pas de menti. No. Tu bois ça, mais yo, t'es bon, t'es déshydraté, mon frère. Half of those real city rappers ain't really G's. They talk tough, but when it's beef, they snitch like Lil C's. Post on the block with some game proud jeans, selling whatever what to some game proud fiends. And now everybody claim they run real city. They don't even know how to bring guns in the city. They don't even know how to export drugs out the city. All they do is stay in on the corner and look shitty. And me, at the same time, I'm getting money. I don't give a fuck if it's blood or crip money. If your price is right and you got the money, so there go your backpack in 1 hour, homie. Bra! Now we go, nigga. Snagashi, profession gangster. Alors, profession, mon cher rappeur, man. Écrire des bons versets, des bons poèmes pour les gens, pour que ça flotte dans leur tête, man. C'est ça le game. Enoch, dans le rap français d'ici, Enoch a amené la vérité. Un vrai gars du street que tout le monde dans le street connaît et puis qui joue à la radio. À la télé, que maintenant la télé commence à le boycotter, mais il a amené la vérité. Fait que là, les rappeurs français d'ici, ils voient que, ok, même si qu'on est real, qu'on est noir, on peut faire de quoi. Fait que là, le monde, il se lance là-dedans, tu comprends? Le monde normal, là, ils ont peur, tu comprends? Ils disent qui sont ces gens fous, fêlés, détraqués sur les coins de rue. Ils se demandent c'est qui ces gens fous, fêlés, détraqués sur les coins de rue, mais c'est nous. Tous mes négros sont allumés, tous mes négros sont fêlés. Shout out Why Knock, we love you, man. Et Shen Mob. De l'entrée de garage, les montagnes de cocaïne. L'excès, les gonzesses en luxus, aucun bon sens. Mon médaillon touche à mon pénis, pour ceux-là qui veulent. Petite pause bien méritée, mon frère. Petite pause bien méritée. La bergerie du loup. Encore un produit de la France, tu vois. Moi, je vous supporte à fond. De pédale, produit de France, tu vois. Même lorsque je suis en France, je fume la même chose que votre président. Et lorsque je suis au Québec, je bois encore la même chose que votre président, tu vois.
24 heures, je suis sur le luxe, mon frère. Vin de qualité certifié, la bergerie du loup. Rap Brigand, pour la cause, on s'explose gratuitement. Pour passer en exclusivité sur la scène d'Al Jazeera. Son père fait 20 millions de thunes, putain de merde. T'entends, son père fait 20 millions de thunes. Motherfuckers. T'entends, dans le pétrole. Et George Bush adore le père de Kiloti. Bande de petites putes. Tous ces connards qui pensent qu'on est des canulars. Tu vois ces gens, 22, plus de gens et plus. 22 minimum. Laissez-les voir les putains de gens, allez. From England, straight up, can't design. My car is worth $100,000. How do you manage to get a car like that? You can get it. I do it my way. I don't like to answer this question. Comment que Jacques Chirac se paye ses putains de Porsche, hein? Est-ce que vous le demandez comment qu'il se paye ses putains de Porsche? Et comment ça se fait qu'il fait pas de tôle? T'entends? Alors demandez les bonnes questions, on brille. Bande de petites putes, et économisez votre oseille. Faut pousser de la putain de bœuf. Hydro-Québec, t'entends? Allah ou Akbar, je descends à Miami pour y apprendre à piloter. La seule chose qui m'intéresse, elle apprend à tourner. M'envoler de Kennedy tout droit sur la cité. Mais avant d'atteindre la première cible, je m'éjecte en parachute pour atterrir dans le Queens, où règne le crime et le rap à base de morphine. Bah, bah, bah. Le lien avec moi et les pauvres, c'est qu'on souffre. Alors, ça me concerne, je suis pauvre et je souffre. Tu vois ce que je veux dire? Je souffre, je brille, je souffre. Alors, je vais rentrer dans l'immobilier, t'entends? Dans l'immobilier. Comme Michael Jackson qui est déménagé, t'entends? Il y a moi, il y a Michael Jackson, il y a Kiloti. On déménage dans le sud de l'Arabe. On prépare, on se prépare pour la troisième guerre qui fera pour le pétrole, t'entends? Alors, on se connecte avec les vrais arabes, t'entends? On est en avance sur le temps. T'entends, bande de petites putes? Ton clan peut être aussi imposant que les Titanics, mais je le coule tout comme ton sang qui se déverse sur le fond. Pour commencer, je m'introduis en tant que nom d'artiste Hugo Boss, ou si tu veux bien, Hugo le patron. Je suis de Lima, Miraflores. Je suis péruvien, un Inca si tu veux, ce que tu veux. Professionnellement, je suis auteur-interprète, mais je suis aussi un calibre dans la cocaïne. Tu vois ce que je veux dire? J'ai grandi là-dedans. Et je tourne ce négatif en positif. Et maintenant, c'est de l'argent intelligent. Donc le fisc ne peut rien faire, car c'est pas du blanchiment d'argent. J'en ai rien à cirer, même si c'est du blanchiment d'argent. Cette ville a été bâtie avec du blanchiment d'argent. Donc rien n'est personnel. Donc j'apporte ma contribution, mon français, mon parler, mon savoir, mon vécu. La réalité, pas de fiction, que du réel. Ce que moi, mes camarades, on vit ici. Aucune pitié pour ceux qui n'ont pas de respect. Vrai reconnaît vrai. Je convoitise Satan car je sais que le bien n'habite pas en moi. Mon boss, ça vient de loin. Étant donné que j'ai grandi dans la corruption, j'ai vécu l'enfer. Pour un aperçu, ma mère poignardée par mon propre père. Moi-même battu jusqu'à l'âge de 7 ans tous les jours pour rien. Pour le simple plaisir. Ma famille plongée dans la merde, dans la cocaïne, dans la corruption, dans la drogue. J'ai imposé ma loi dans les rues depuis tout jeune, suivi par des psychologues, des psychiatres, des thérapeutes, ce que tu voudras. Mais ça n'a pas fonctionné. Ce qui a fonctionné, c'est les expériences que j'ai vécues dans cette vie. Et depuis tout jeune, on m'appelle boss car je persévère dans la rue. On me respecte. Donc boss, 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 ça a resté. Donc on s'est dit Hugo Boss. Donc pour pas entrevenir un peu avec le Hugo Boss, le linge en deux mots non composés, moi j'ai fait Hugo Boss sans H, en un mot. Hugo Boss, Hugo le patron. Il me délivrera de ce corps qui m'entraîne à la mort. Pourtant, j'en veux encore cette faiblesse humaine qui en veut toujours plus. Argent, sexe, drogue et pouvoir. Mondialement, aucun espoir. Mon cœur est un trou noir. Pour moi, c'est de la famille. Le roi Enoch, si vous connaissez le prince Enoch, eh bien, le prince Enoch, je suis son oncle de sang et pas de fiction. Donc, le roi Enoch, c'est de la famille depuis 15 ans. Je côtoie ce négro de la rive sud. En gros, en termes d'arbre généalogique, c'est mon beau-frère. Mais dans mon cœur, c'est mon grand frère. Car de lui, j'ai appris beaucoup. Donc, j'ai appris du meilleur. J'ai été entraîné par le meilleur. Alors, je suis prêt. Je suis pompé à bloc. Vous comprenez? C'est fini. À mes yeux, notre équipe,
va faire beaucoup de bruit dans cette industrie du rap français. Que tu le veuilles ou pas, ça va se faire. J'ai quand même enregistré beaucoup de merde avec le Roi Enoch. J'ai enregistré mon album avec Kinimod et Hugo Boss. Hors la loi temps plein qui sort bientôt avec le Roi Enoch. J'ai enregistré Propagande américaine avec le Roi Enoch. Cocaïne ou rap musique avec le Roi Enoch. Beaucoup de merde s'en vient, en diarrhée pour vous. Vous comprenez les fanatiques, en diarrhée. On s'accroche à la rue, j'ai été conçu pour cette merde. Le côté obscur de la force, pas de temps pour le morse. Le Motorola assure mes narcodollars, BMW assure mes départs. Cette saveur que tu veux, cette saveur biologique que tu as besoin, cette saveur qui te donne l'eau à la bouche, ces textes et ces termes que tu répètes constamment. Eh bien, attachez votre succès, les jeunes, car il y a d'autres termes qui s'en viennent. Hugo Boss alias Hugo le patron, je suis un moulin à parole. Alors, c'est ma bâtisse, c'est ici que je vis. J'ai beaucoup de rénovations à faire depuis 3 mois que je suis en rénovation. J'ai investi plus de 30 000 $. Je suis en rénovation depuis 3 mois dans la poussière, quoi. Mais peu à peu, ça s'en vient. La bâtisse se bâtit, les murs se solidifient. Tu vois ce que je veux dire? On va aller voir Kinimod qui nous attend impatiemment. Qui n'est peut-être pas mon frère de sang, mais c'est quand même un frère de sang, car entre frères, on saigne. Je plante des roses sauvages dans mon terrain. Tu vois ce que je veux dire? Des rosiers sauvages, car je suis un rosier sauvage, mais une rose noire, car mon cœur pleure. Et ma tête broie cette souffrance, tu vois ce que je veux dire? On va voir Kinimod dans la place. Le gros chien était ici tantôt. Le gros chien est venu souper avec nous tantôt. Et on a mis une affiche pour montrer à ces bâtards que le gros chien était sur place. Kinimod est toujours présent car la fusion est toujours homogène. La fusion est toujours présente. Ça bouillonne, c'est chaud. Comme les deux tours jumelles, c'est chaud. Kinimod dans la place. Tu ça comprends? Se passe, ça se passe. Des vrais soldats pour la vie. Le parrain des parrains, le patron des patrons, Hugo Boss, Kinimod, on est présent. Donc tu vois, c'est un mélange bien concocté. Tous les saveurs étaient déjà en place. Il ne suffit qu'on embranche le tout. Toute cette merde bien concoctée fait que nos soldats ont été sélectionnés avec autant de soin que les disciples du Christ, tu saisis? Avec autant de soin que les disciples du Christ. Le produit sort d'une façon raffinée comme un café péruvien, tu vois ce que je veux dire? On amène la musique cuite. Comme quand tu cuis ta cocaïne, les cailloux se forment, c'est le même principe. On t'amène le produit pur pour que tu puisses consommer. Médium saignant, comme ta viande rouge, ou bien cuit comme ton poulet viande blanche, tu saisis? Ou une bonne dorade grillée sur le grill avec un peu de riz et des oignons rouges, tu vois? Comme la coupe péruvienne, comme les flocons péruviens, la qualité à l'extrême, bien raffinée. La bonne nourriture. C'est toujours bien apprêté. On saupoudre, on concocte toujours bien le repas et bien toujours bien servi, toujours chaud, toujours frais. C'est comme le rap, toujours bien écrit, le brouillon, les erreurs. On reprend les mots, on reprend les textes, on reprend le petit bruit, la salive. Le micro capte tellement tous les sons que c'est un boulot plus que les gens le pensent. C'est pas que écrire des textes. C'est pas que juste faire une symphonie en arrière. C'est la sueur, le sang. C'est vrai. C'est concret. Tout est réel. Il n'y a pas de fiction ici, présentement. Ce n'est plus la coke, les femmes, l'argent, le drame. Malgré tout, malgré ces situations, malgré cet accident, malgré les choses qui se passent, je reste quand même le parrain des parrains. Certaines choses changent, mais comme je vous ai dit, le drame reste toujours le drame, quoi. Malheureusement, Kinimod a eu un accident. Et pour moi, c'est ce qui fait que Kinimod est encore plus puissant maintenant, car son niveau, ses connaissances maintenant sont plus fortes. Ce qu'il a vécu, peu de monde l'ont vécu. C'est ce qui fait qu'il est précieux et qu'il est fort. C'est ce qui fait qu'on peut fusionner Kinimod et Hugo Boss et qui donne un produit des plus raffinés. Hugo Boss, dis-moi, je pense pas qu'ils sont prêts pour cette merde. Ils sont pas prêts pour ce style de son. C'est trop chaud ce qu'on est en train de faire. Les gens vont haïr, mais à force d'écouter le produit, ils vont réaliser. Il y a quelque chose pour chaque mec dans cette putain de musique capitaliste.
longtemps qu'il y a quelque chose pour chacun et chacune. L'incinération du crâne sur place. Je suis capitaliste, très chaud. Hugo Boss, qu'est-ce que tu crois de la nana là sur le putain de tournage? D'après moi, ces nanas sont nourries au grain. Putain de grain, c'est plus. Car elles sont de calibre. C'est chaud. Viande blanche. Ah, elles sont nourries au grain. Coupe de choix. De choix de toutes ces putains de races. Les meufs sont chaudes, les chiennes en lait. Les chiennes salivent. Ouais. Leurs putains de chattes sont mouillées. La soirée va bien se finir, va bien se terminer. Je suis d'accord avec toi. Faut faire attention, il y a de plus en plus de négros qui veulent se prouver. Il n'y a rien de sucré, t'entends? Rien n'est personnel. Il n'y a absolument rien de sucré. Il y a beaucoup de petits négros qui veulent se prouver. Hein, je vous laisse savoir qu'il n'y a rien de sucré. Si vous me poussez, je vais vous régulariser. Ne me poussez pas à fond, comme le fanatique à la Slim Shady, t'entends? J'essaie de rapper, moi j'essaie de... Non, j'essaie de me tenir tranquille. T'entends, je fais ma putain de merde. T'entends, c'est ma merde que je fais. Je fais ma putain de merde. Débarquez de mon putain de pénis. Hein? Et faites votre merde comme on fait notre merde. Arrêtez de poser des questions. Si c'est vrai, si on est des vrais, si les diamants sont vrais, hein? Si les fusils sont vrais. Tout est vrai. Faites pas votre de fiction. Respect, bande de petites putes. T'entends, faites votre putain de respect. Hein? La vie m'attend, t'es sur mon pénis, c'est moi puis mon équipe, je m'en fiche. Fuck la police, j'utilise même un angliciste. Le soloist, terroriste, anarchiste, extrémiste. Toujours en affaire avec une équipe en paire. Si tu comprends le style, j'arrive versatile. Ramé décontracté, bijoux diamanté, posé. Je me sens encore plus puissant sur cette chaise. Je me suis amusé, les femmes, la drogue, le pouvoir. Tout ce que vous voulez, je l'ai vécu, quoi. Trait de vie accéléré. En deux petites putes. Et puis je ne lâcherai guère. Malgré cet accident, si le bon Dieu ne m'a guère rendu sur cette terre, c'est pour une raison, c'est pour vous plaire et vous divertir. Prêt à être photographié, comme si j'étais dans un défilé. À l'été, torse nu, rendant les jaloux fous. Leur pétasse me regarde avec la j'arrive à l'as. Est-ce que Jésus est l'ami de Satan? Est-ce que Satan est l'ami de Jéhovah? Quels sont les liens de parenté entre Warnock et Barack Obama? Un petit rouge? Petit rosé alors? La bonne enquête? S'asseoir alors, Paul? Marie-France. France-Francine, mais arrive là! La bonne franquette! Mais vous êtes dans la cour, allez, venez! Petit rosé! Je m'accapare de l'estime français. J'emmène le poulet, j'emmène la salade de choux! Le ciel est vénère, hein? Rempli. J'ai hâte que les dragons sortent les nuages. La bête avec ses 7 têtes. L'apocalypse. J'ai hâte à tous ces trucs. Depuis longtemps. Puis des 80 sur le dessus. Qui se fait prendre? Qui se fait prendre? Tu comprends? Ils font des lois. Tu les appartiens. Ce sont tes banques, ton crédit. Ils contrôlent le monde, ils contrôlent toi, tu les appartiens. Ils nous balancent des cartes de crédit. C'est ce qu'ils racontent. 13, of course, is based on, this is what we call Masonic symbolism. Freemasons
designed this dollar bill. And they're all wearing red and black Ku Klux Klan dress type of regalia, like the Ku Klux Klaners, with the pointed headdress and everything. Wheeler dealers in this country, and they all meet up in Northern California. It's funny, and they have rituals where they go before the owl after midnight. They're very brilliant, and they know things that you don't know. C'est dingue, hein? Dieu dit qu'il détruira la terre par le feu. Et il dit que à la fin des temps, alors que la terre sera sous 1000 ans de noirceur, l'homosexualité prendra une face qui d'inatteignable. Et d'après la prophétie, Dieu brûlera la terre par le feu pour une deuxième fois. C'est ce qu'ils racontent, quoi, dans leur livre de ouf, tu vois. Tout ce qu'on sait est programmé, et même ce que je raconte maintenant, c'est de la programmation, donc je crois en que dalle. Je doute de tout, je consomme tout, je ne crois en rien. Je lis que la Torah, le Coran, la Bible, pour voir de quelle façon l'homme est fou. Ça m'intéresse de savoir sur ces trucs, car j'ai analysé que l'homme blanc est fou. Donc, en apprenant sur ces livres, ça me permet de survivre. Sinon, je vais croire en l'apocalypse. Avec leurs trucs de merde. Ils explosent leur propre tour et crient à Jésus-Christ. Crient à la putain de guerre. Tu vois ce que je veux dire? Donc je n'ai rien à foutre de leur prophétie de merde. Je suis l'antéchrist du rap français. Ce n'est qu'un nom. Ce n'est qu'un nom, mais la force de ce truc, tu vois. Qui vous dit que c'est pas moi leur antéchrist? Le livre sacré de Enoch. This secret society actually formed itself into a secret society and put itself into operation. They were the basis for what we call today in our country the Babylonian Illuminati. Tu vois comment ça fonctionne? Le roi Enoch met du temps, putain, à prendre le rap français. And that's where we get today, this Columbia Space Shuttle, Columbia Movies, Columbia Television, Columbia Records, everything, Columbia University. Mais ça sera fait. As a matter of fact, Columbia, je contrôlerai, TV, sera français, mondialement. CBS, what is the symbol for CBS? It's the all-seeing eye. And that's why our government is in the District of Columbia. Because these guys own our government. They print our money, and they own not only the government, but they own you. You are their property. Si vous avez remarqué, la Californie, San Francisco, tous ces coins brûlent en premier lieu. Et constamment, le ciel est supposément, d'après la Bible, le ciel est enragé sur eux, quoi. Alors il lui brûle. Car leur geste bestial et animal qu'ils pratiquent à chaque jour accélère la défragation de la couche d'ozone encore plus vite. Ça, c'est d'après des mathématiques. Lorsque tu t'ouvres les yeux, mais c'est dans les livres de l'homme blanc, quoi, la Bible, tous les livres que l'homme blanc vénère, quoi. Fous les boules. Ceux qui font le mal, ils fleurissent. Donc tous les blancs sont morts. C'est sûr, il y a comme des milliards de blancs morts. Ceux qui font le mal, ils fleurissent. L'injustice. Il y a une chance qu'il est minime comme le trou d'une aiguille pour que millionnaire rentre au paradis. C'est ça que encore l'homme blanc dit dans sa Bible et ses livres de fou. Donc, nous qui viennent de familles pauvres, qui sont des fils d'esclaves, qui se font fouetter et se
sont méprisés à chaque jour en étant dans un stéréotype fait d'avance. Même avant que je le voie le jour, nous sommes supposément sauvés, car nous sommes les fils de Dieu dans la Bible. Ils disent que David et tous ses mecs, c'était des négros, bon, s'ils racontent dans leur Bible de fou. Donc, moi, j'essaie juste de faire la logique dans leur truc. Eux-mêmes te disent qu'ils sont les démons sur la terre, tu vois. Ouais. Après, vous me demandez de croire en cynique. Et en Booba et Barack Obama. Tu vois ce que je veux dire, mon frère? Ouais, allez. Qu'est-ce qu'un Illuminati? Est-ce Roi Enoch? Est-ce si diamant? Tu vois ce que je veux dire? Illuminati, c'est un grand terme. Car je suis dans l'élite des élites, moi-même, maçon, à temps plein, tu vois ce que je veux dire? L'architecture, la connaissance, donc, il ne faut pas se gouffrer et rester pauvre d'esprit et croire que Illuminati a quelque chose de... Il faut se renseigner sur le truc. Moi, je ne vais pas trop vous commenter, mais je peux vous dire que je suis dans les loges. Et les rituels sataniques, tous ces putains de trucs, où ce que les femmes sont deux, trois, se baisent, avec des masques. Ça m'intéresse lorsque je rentre dans ces boîtes, sauf que moi, tu m'encules pas, t'entends? Lorsque ta meuf me voit, elle a des goûts de tête, comme ça, qui coulent, qui tombent dans sa culotte en forme de T, ces gouttes qui tombent tout de suite lorsqu'elle me voit, des gouttes comme ça, regarde, qui tombent, tout de suite. C'est ça qui se passe lorsque ta meuf me voit, mon frère, lorsque ta petite... aperçoit le roi. Hey, je vous explique pour Vanessa. Lorsque j'étais jeune, y a une blanche qui m'a fait vierger au nom de Nadine. Elle était une modèle, une blonde. Elle ressemblait à Vanessa, donc je la baisais sur son premier truc. Tu vois, je t'aime Vanessa. Il n'y a rien de plus gangster qu'une femme, mon frère. Lorsque tu deviens comme un enfant, lorsque tu la baisses, tu deviens doux, tu lui dis tout ce qu'elle veut, elle te dit tout ce que tu veux, mais je suis vulnérable. Lorsque je baisse, je suis vulnérable. On va parler à ces meufs, t'entends ce qui se passe? T'entends? Lorsque vous nous voyez hein, en tournée, ne soyez pas timide, t'entends? Roi Enoch est négro, hein? Roi Enoch adore les négresses exotiques de préférence. Les mannequins blanches, à l'hôtel, les nuits blanches. À chaque jour, je tombe en amour, mais je suis pas ton amoureux. J'explique à la femme que ça sert à rien de nos jours de se mentir pour une baise. La femme vaut plus. Ta beauté vient d'Allah, impossible de vous résister, je vous aime à croquer. Vive les femmes, le roi est notre fidèle à chacune d'elles. Trop belle, trop bon, c'est la faute du créateur. Si Ève à chaque coup m'amène en enfer et me ramène au paradis lorsque je jouis et atteins son point G. Et... Donc, lorsque tu mens à la femme, à son cœur, tu le brises lorsque tu n'assumes pas ta promesse. Donc, moi je suis clair, je leur dis que... Tu ne sais pas cuisiner, ça m'est égal. Tu ne sais pas repasser, ça m'est égal. Tu ne sais pas comment faire le ménage, ça m'est égal. T'entends ma petite nana? Tu ne sers à rien, ça m'est égal. La seule chose que je veux de toi, c'est te baiser. Voilà. T'entends ma petite? Je vous aime, t'entends? Dieu vous fait si belle, impossible de vous résister. Je vous aime à vous croquer comme une pomme, mais sans vous mentir, sans que je vous mente, quoi, pour une baise. Il n'y a pas de cachette, quoi. Donc, moi, je te parle. Franchement, et le reste, il y a de l'amour. Et jamais tu me baiseras, car ma sincérité me couvre dans la vallée de la mort. Tu vois, sœur? Oh, toutes mes petites fourbies. Tu ne sais pas cuisiner, ça m'est égal. Tu ne sais pas repasser, ça m'est égal. Tu ne sais pas comment faire le ménage, ça m'est égal. Ça doit être vivre. Tu ne sers à rien, ça m'est égal. La seule chose que je veux de toi, c'est te baiser. T'entends, ma petite? Faites votre argent, maintenant, hein? Je compte la condom et la marijuana.
t'entends, elles sont chaudes, les putes, le soir, elles sont saoules. Ces chiennes aiment se saouler la gueule. C'est musulmane, c'est catholique, c'est pute. Ils nous faire croire que, bon, il n'y a rien qui se passe. Et après, ils vont crier au putain de viol. Arrêtez de vous saouler, bande de chiennes. Arrêtez de faire vos agaces pissettes. Vous agacez les putains. Le putain de mec, le putain de voyou. Comme Michael Tyson. Et après, vous voulez les emmener en cours pour détruire leur putain de vie, bande de salopes. Vous aimez ça, vous faire baiser, bande de chiennes. Dans cette putain de boîte de gens riches, il y a beaucoup de cocaïne, t'entends? Les gens reniflent la putain de cocaïne. Les femmes reniflent, se saoulent. Après, elles rentrent à la maison et disent au nom d'Allah, au nom de Jésus, ces putains de putes. Pas de problème, moi je vous baisse toutes mes chiennes. Arrêtez de me faire croire des histoires pour me faire payer de l'argent. Que vous êtes des religieuses. Oui, vous êtes des mentes religieuses. Chérie! Regarde, elles sont saoules, toi comme tu disais, les grosses pétasses. What's up, maman? Ça va? Donne-moi ton numéro, chérie. What's up, mamie, comment? Ton numéro? Hein, ton numéro, chérie? Bon, c'est ça. C'est ça que j'en avais besoin, là. Je vais chercher les crayons, comment ça va? Ça va? Ben oui, toi? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? Le fait de on est là, je filme. J'ai pris tout le temps, je sais. Vous êtes belle, je peux voir ton numéro. Ouais. Ouais, c'est cool ça. Ok, c'est la fin. 6-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 
tellement qu'il les adore, il veut les putains signer. Hein mon Booba, tu veux signer nos danseuses, tu les ramasses dans ces putains de boîtes? Tellement elles sont belles, t'entends, mais ici c'est l'oseille qu'on fait avec ces danseuses. On ne les fait pas qu'elles chantent. T'entends ce qui se passe? Ce sont des putes. Tu peux pas faire une pute devenir une femme de maison. Fais attention, mon entrepreneur Montréal, c'est ça qu'on a ici. La drogue et les putes, t'entends? Au Kamasutra, je te vois, négro, j'étais à l'œil. Hein? Ça se passe ou quoi? Qui contrôle ces putes? Mais c'est nous, mon petit. C'est nous, quoi. Tu cherches ta femme, elle est avec nous. Défoncer ces pétasses. Aucune attention pour ces pétasses qui sont défoncées, quoi. Le roi est trop chaud, t'entends, le roi est trop putain de chaud. Ces pétasses sont défoncées, ces salopes. Putain de bordel. Ouais, 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 la dernière fois que je suis tombé dans l'amour, c'était avec une arme à feu. Enfin, je leur donne le bois d'ébène, le bois à épines. C'est ma troisième jambe. Lorsque je leur donne le bois, elles aboient. Elles aboient, adorent bois et aiment le bois. Tu vois ce que je veux dire? Alors je leur donne le bois. Et mon bois est pire qu'un bois de acajou. Qu'est-ce que tu veux que je leur donne de plus à ces putains de pétasses? Bismillah, dès que Dieu t'envoie dans le désert et que j'ai soif, je vois des mirages, des cactus. Tout d'un coup, je vois une rousse à la peau brune. Je la dérange. C'est la destinée. Je tiens à toi. Oh non, non. C'est que je t'aime, ma chérie. C'est le lien de vie. C'est encore plus que l'eau, la nourriture. Je peux me nourrir d'une putain de femme. Les gros morceaux. Sterling, Mac 11, Mac 10, 38, 41, 44. Chargé à bloc. Moi j'ai de la nourriture pour femmes aussi, tu vois. Lorsqu'elles se branchent, elles ont cette crème atozoïde qu'elles ont tellement besoin pour survivre. Je la collectionne, les Uzi, je la manipule. Je les démonte en pièces, les lubrifie. Étudie leur mécanisme pour qu'ils ne bloquent pas. J'adore ça. Moi j'ai constamment besoin de nouvelles femmes. De variété dans les nanas, dans les bijoux. Comme le désert gueule, tronçonne. Comme le 12 pompeux, voyage. Comme les projectiles du 22. La femme, à l'aide d'un mec, a créé des éléments et des individus comme le roi. Et Nathan, que je ne peux les comparer à une Rolex, mais la variété que Dieu nous donne me rend vulnérable. Et oui, j'ai une faiblesse pour la beauté de les femmes. J'ai de la misère à n'en conserver qu'une seule. C'est là partout. Le roi est là partout. Comme dans ce qui se putain de passe. Hein? Mais quelle est ta nationalité? Ouais. Allemand, français et anglais. Russe. Et on a la saveur asiatique pour toi. T'entends ce qui se passe? Le roi a toutes les saveurs. Et toi, quelle saveur préfères-tu, toi? Un petit pédé, quelle est ta couleur préférée? Quelle saveur de crème à glace t'adores le plus? Personne ne veut nous voir ensemble, mais ça ne dérange pas. Je tiens à toi, c'est que je t'aime, ma chérie. J'ai des fantasmes, j'ai des visions. J'enlève sa culotte dès les deux, trois premières secondes que je la vois. J'ai une branlée et je fais de la méditation, je demande à Dieu, s'il vous plaît, pardonne-moi. Enlève ce Satan de mon chemin. Satan, hors de mon chemin.
Dans le désert, je construis avec Dieu, mais c'est plus fort que moi. À la minute que j'ai vu une de ces déesses qui me séduit, je suis en amour. Elle pourrait me faire la chansonnette, du breakdancing, tout ce qu'elle veut. Je t'aime ma chérie, personne ne veut nous voir ensemble, mais ça ne me dérange pas, je tiens à toi. La princesse Sunny, hein? T'entends, tu vois ce qui se putain de passe? La princesse Sunny, tu vois ce qui se putain de passe? Les gros de l'exclusivité. Lorsque je touche au sein des meufs, je les touche toujours délicatement, toujours. Jamais j'essaie de leur donner des coups, m'appuyer sur leur sein. Toujours j'essaie d'être délicat comme un oreiller de duvet. Tu vois ce que je veux dire? Mes mains sur leur sein, elles sont mouillées, les chiennes. Tu vois ce que je veux dire, mon frère? Moi, ces putains de meufs, hein? J'haïs lorsqu'elles sont. Lorsqu'elles se prennent pour des rappeurs, pour des jams, t'entends, des garçons, femmes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Chanel, t'entends, Louis Vuitton. T'entends ce qui se putain passe, c'est marque, c'est PD, des coupes, c'est ce qui m'intéresse. Sur ces douces, t'entends ce qui se putain passe. T'es violent avec les seins d'une femme, jamais mon frère. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma façon de militer contre le cancer du sein chez la femme. T'entends, je taponne comme la soie. Mes mains deviennent comme la soie lorsque je taponne leur putain de sein, leur petit cul, là. Tu vois ce que je veux dire? Mon négrito. Tu aimes le style, je sais que tu aimes le style, mon négrito, mon haïsseur de merde. Tu vois, femme, faut que tu restes femme et européenne. Il faut que tu montes tes nichons qui sont grecs, car en Amérique, ils se mettent des silicones. Aujourd'hui, les femmes dans leur sein, avant, elles avaient du lait de chèvre. Après, elles ont eu du lait qui était périmé. Maintenant, dans leur sein, une femme en 2008, elles ont du cran juice. Du cran juice, c'est un mélange de vodka, de jus. Regarde les nichons qui sont mignons et qui sont vrais, petit cul. Hein? Ces petits nichons mignons qui sont vrais. Pas ces plastiques, ces petits nichons mignons qui sont vrais. Tu vois? Avec leur faux sein et tous les drogues et le chimique, la boisson et toute cette merde. Ils nous donnent plus un petit lait de brebis. Donc les montées de lait sont pour rien, mon frère. Tu veux voir? Tu veux voir? Allez, tu entends, une enceinte. Tu entends ce que je veux dire? Tu vois ce qui se passe? Tu me sens? Tu me putain de sang? Pour faire ta fête, j'adore lorsqu'ils sont munis de faisceaux lumineux. Un laser rouge, j'adore lorsqu'ils sont munis de faisceaux lumineux. Un laser rouge, c'est que je t'aime, ma chérie. Regarde, je vais ramasser la merde. Ta femme ne ramasse jamais ta merde. Si tu chies, elle va nous faire mettre un coup. Je vais appeler la police. Prépare moi pour l'an 2012. Je me suis acheté un tracteur, je me construis quelque chose souterrain. Dans ce qui se passe, je vous dirai pas où, mais je me prépare moi. Mon motorisé tracteur, ça coûte l'oseille. Donc je fasse comme Rof là, que je pèle ta bouche un peu pour enterrer ces négros. Tu vois ce que je veux dire? Avec un coup de pelleté, j'en enterre deux, trois de ces négros de merde. Tu vois ce qui se passe? Le nouvel ordre mondial de négro, un seul gouvernement, une seule monnaie. Bientôt, il y a l'Améro entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Là, on va compétitionner votre euro. L'Europe a laissé les États-Unis pendant 15 ans, pendant 20 ans, faire de l'azeille sur eux.
un an ou deux ou trois que l'euro, ils dominent, ils font tout de suite l'améro. Ces Américains sont arrogants, quoi. Tu vois, ils vous foutent des claques à chaque fois. Tu penses qu'on... Quoi? Un dollar et 62 plus pour avoir un euro. Tu penses que les Américains vont laisser faire ça pour longtemps? Et encore pire, une seule monnaie va contrôler ce monde. Avec l'améro, il ne reste plus que 4 foyers. Entends? L'Europe, il y a l'Asie, il y a l'Afrique et maintenant l'améro. Après ces 4-là, on se fusionner pour faire une seule devise. Hein? Au nom du terroriste, on contrôle ton cul, mon frère. Tu vois ce qui se passe? C'est ça qui est en train de se faire. Illuminati, mon frère. Arrêtez de penser que je raconte toujours des conneries. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être prêt pour ce genre de truc. Une puce dans ton cul. Tu peux faire tout. La puce peut acheter tout, mon frère. Hein? De les culottes de ta femme. Aller jusqu'au tarteau. Au tarteau pomme pour ta grand-maman. Tu vois ce que je veux dire? Ils savent tout, mon frère. Avec cette puce. Et lorsqu'ils vont décider de couper cette puce, car ils le cherchent, ils ne peuvent accéder qu'à que dalle. Tu comprends ce que je veux dire, mon frère? C'est la matrice. Le nouvel ordre mondial, mon frère. Moi, je suis prêt. C'est le démon, tu vois ce que je veux dire? Le nouveau démon noir qui contrôle ce monde. C'est moi, Barack Obama et Oprah. Winfrey, tu vois ce que je veux dire? Nous sommes les nouveaux démons noirs qui contrôleront ce monde. Comment je m'en bats les putains de couilles, moi? Mais au moins, je vous avertis, ça s'en vient. Une seule monnaie, un seul gouvernement, un contrôle, une puce dans ton cul. Vous allez courir pour cette puce, tellement cette puce est... tellement que ça va être chaud. Et après, c'est le contrôle. La matrice contrôle, mon frère. Je suis un de les créateurs du nouvel ordre mondial avec mon mouvement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, négro, je prends ma place. Je m'en fous, moi, j'en ai rien à foutre. Allez avec la technologie. Bande de babouins, maintenant, vous voyagez dans ces oiseaux de fer. Hein? C'est l'apocalypse, c'est l'apocalypse, le diable. Maintenant, vous voyagez au bled. Ce sont tous des trucs Illuminati. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de chacasser Illuminati. Voilà Illuminati. Ces trucs sont Illuminati, mais tout est Illuminati, putain. Tu vois ce que je veux dire? Tout est Illuminati ici. Même le roi. Un produit créé par son environnement. Le gouvernement rêve de me cloner grave. Et que je flingue pour eux, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'attends de déterrer le crâne de Napoléon et boire du sang avec le père de George Bush. Sa femme, c'est en vie grâce à son cœur de porc, tu vois ce que je veux dire? Illuminati, qu'est-ce que tu connais, toi? Bande de petites putes, allez. De penser que la réalité est ce qu'on voit ou ce qu'on touche. Même ce que tu vois et ce que tu touches est une fiction. Tu vois ce que je veux dire? Les négros sont ceux qui se proclament négros. Si je t'assure que je suis un négro, c'est mon nez qui est gros, tu vois? Négro. Les extraterrestres, le premier qui t'a raconté ça, c'est peut-être lui, le putain d'extraterrestre. C'était putain des exquis, mon frère. C'est bon pour le sang, pour le cœur. Je milite contre le cancer, mon frère. Je mets une pause sur le sexe physique. C'est dur, ça putain, c'est dur, mon frère. Je suis devenu comme un Illuminati, tu vois. Maintenant, c'est... Je
je vais me fouetter comme l'Opus Dei pour sentir une puissance sexuelle tellement qu'il faut que je taffe. Mais je vous jure que dans à peu près un an, je me baise des lesbiennes qui vont se manger la chatte. Ils peuvent se mettre à trois. Je vais les baisser à trois tellement l'oseille va rentrer. Donc c'est le sacrifice. Une baise par mois de ces temps-ci. Et c'est tout, quoi. Une baise par mois. Sinon, j'y arrive pas. Lorsque je baise les chiennes, je veux qu'elles restent avec moi au moins une semaine. Je baise comme un fou et après, je pars à faire la musique. Tu vois, donc, la distraction féminine. Faut faire attention, faut faire gaffe. Comprends? Car j'aime encore plus les femmes que le rap musique. C'est le danger. C'est Eve qui a donné la putain de pomme. C'est Eve qui m'a donné la pomme, la chienne. Il y a un rappeur que je connais, mais absolument non, pas. Non, c'est normal. Qui vient d'être arrêté. Deux pas en avant, deux pas en arrière. Tiens ton fusil, allons-y. Arrestation, c'est incroyable. Je croyais qu'on avait l'ennemi public numéro un, là. Vous nous parlez maintenant d'un rappeur montréalais qui a été arrêté en possession d'un véritable arsenal. On va vous montrer comment les négros de la rive sud opèrent, t'entends? C'est ça, ça veut dire, désolé, ça? Mais non, c'est qu'il est fort connu, mais sur le web. Mes nègres sont prêts pour la guerre. C'était ouf, là. J'ai vu l'arrestation, le truc qu'ils ont fait sur les chaînes. C'est un truc de ouf, c'est monstre. La police de Montréal a procédé cette nuit à l'arrestation d'un rappeur du nom de Roy Enoch. Roy Enoch, rap radical, tactique palestinienne, supporte l'opium et la vente de roche. Des armes à feu, une veste pare-balles, de l'argent aussi. On est de rendez-vous avec ta pute et mon chargeur rempli. On vous a souvent dit que les policiers de la Sûreté du Québec étaient très sérieux avec leur service de cybersurveillance. Mon fusil à pompe à la main, mon calico en main, prêt à tirer sur sa putain de délateur qui parle trop. Bien, on en a eu la preuve la nuit dernière. Parce que le rappeur Roy Enoch, qui n'a pas de casier criminel et qui n'est pas connu non plus comme un membre de gang de rue, a été arrêté pour des vidéoclips. Mais des vidéoclips où il montre des armes. Tous mes négros ont ce style de jouet. Tous mes négros, je dis bien. Tous mes négros sont allumés bordéliquement. Ils sont fêlés. Leurs têtes sont toutes fêlées, t'entends? C'est un peu trop provocateur. Oh. Cocaïne, rap, musique, la nouvelle drogue. Roy Enoch. Cocaïne, rap, musique, la nouvelle dépendance. Qu'allez-vous faire? Cocaïne, rap, musique, why not? Donc, rack, ta kétamine, qu'allez-vous putain faire? T'entends? Why not, hein? Il a choisi ça d'être... il fait un petit peu l'apologie du gangstérisme, mais c'est tout au second degré. En Europe, il est très, très, très connu. Et ça ne serait pas passé. Les gens comprennent bien. Si vous allez sur des sites Dailymotion, vous allez voir les commentaires, vous allez voir tout. C'est un jeu. Pour les policiers, ça n'a pas été un jeu. Ben oui. Quatre individus sont toujours détenus en interrogatoire et des accusations reliées aux armes à feu seront déposées. Regarde, c'est la petite mouette là, qui est venue pour l'arrestation d'Enoch. Elle a eu une promotion depuis ce temps-là. Le crime paye. C'en est la preuve, hein, quand même. Le petit chien du gros chien. Et là, il habite juste en dessous, au deuxième. Juste en dessous. Moi, je m'en fous, parce qu'il est de l'autre côté, fait que je l'entends pas, tu comprends? Parce que le pauvre mec qui habite au-dessus de lui, là, c'est pas le bruit des balles qui me dérange, hein? Je vais te dire. Toute la journée, du matin au soir, il bosse. Je sais pas. Tu sais,
Il a même pas le temps dans une journée de faire un petit tactou criminel, la vérité. Hein, toi? Ouais, mort-le lui. Ouais, tu vas dire, ouais, mort. Viens. Cookie, je vais t'aider quand même. Faut le dire, hein? Finalement, ça se résume à une accusation pour avoir une arme au pied de son lit. C'est un phénomène que je connais bien. Moi, je suis sorti le lendemain pour la même accusation. Lui, c'était plus gros. Moi, j'avais un 32, mais enfin, ça fait des trous tous les deux. Hein. Ça s'est fait durant la nuit, tu vois. Mais ils ont commencé par téléphoner aux gérants pour qu'ils descendent à la sécurité. Et il y avait des flics qui l'attendaient pour voir si les plafonds ressemblait à celui où on voit des armes. Ils ont vu que c'était les mêmes plafonds, donc ils se sont dit, on fait venir les blindés. Montrer sa chambre de sécurité et vous allez voir la sécurité elle-même. Salut Dan, ça va? Ça va? Ouais, alors voilà le mur. C'est là qu'ils m'ont fait l'interview avec la petite Caroline, la mouette, qui m'a fait un petit montage très particulier en ce que j'ai dit, puisqu'elle nous a montré ce jour et la nuit. Je vais dire quelque chose, c'est pire que Saddam Hussein, ça. Tout avait été filmé de A à Z avec un zoom infrarouge qu'on peut aller filmer assez loin pas mal. Putain, t'entends? Un agent d'eau qui était ici, qu'on savait pas trop c'est pourquoi. Il y avait 25 qui avaient été interpellés, savoir où est-ce que Enoch travaillait. Le policier, c'est ça, il a dit qu'il y avait eu quelqu'un qui avait appelé au poste de police disant qu'il y avait une vidéo sur YouTube. On voyait plusieurs armes silencieuses. 12 pompeux, etc. Et c'est pour ça qu'ils sont venus faire l'arrestation. Donc ça, c'est peut-être 3-4 heures après que l'agent double est ici dans la salle. C'est les premières images qu'on voit quand la police arrive. Il y avait comme 10-12 chars, là. C'est absolument ridicule. Une escouade tactique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une douzaine de chars de police, des agents d'eau. C'est quelqu'un qui vient me chercher, allez. C'est putain de keuf. Ils viennent me chercher, je vois, je vois. C'est putain de keuf. C'est putain de... Mais n'ayez pas peur des vestes bleues. Ne soyez pas impécunieux. Exactement, mon frère. Mais qu'est-ce qui se passe? Le hip-hop police? Ils viennent pour moi ou quoi, mon frère? La gendarmerie? Il faut qu'on se putain de plante, allez. La gendarmerie, ce n'est pas des gamineries. Allez, c'est putain de keuf. Sans demande, sans violence, sans avance, sans petit ni de rat. J'attendais cela pour que mon Kalashnikov allume ton plan. C'est tard le soir, j'étais avec une petite chienne, tu vois mon frère. Une petite douce. Je suis le roi exclusif, en adoration et ta petite. Je sais. J'ai fini de venir. Faire exploser de plaisir cette petite. Cette brebis. Après j'entends que ça tombe dans une porte, je descends, je regarde dans le trou, je vois un noir. Il me dit, faut que je vais chercher le marteau. Putain, je regarde encore, je vois bien, je vois à peu près une meute de policiers. La dose de rap à base de morphine qui fournit la matière indestructible. Le gaz moutarde. Tout le building était entourouffé de police, d'agents d'eau avec les guns, les boucliers. C'était assez malade, c'était le gros show. Le nouveau parrain de Colombie. Qui est celui que Barry attend plus que le retour du Christ? Les squads tactiques sont venus chercher d'une façon monstre, présidentielle. Je suis dans un. Évidemment, présidentiel. Tout est présidentiel.
on n'avait pas les moyens de communiquer avec Enoch parce qu'il y avait un mec qui était devant nos cellulaires en permanence. C'était présidentiel, quoi. Sans démence, sans violence, sans amour, sans pitié, ni de rap. C'est l'escouade qui arrive. Bouclier, chien, toute la patente. Monsieur Enoch. J'attends que cela. Le criminel Montréal. T'entends? C'était peut-être une vingtaine. Il y avait le GIGN qui était déplacé, des flics partout. Une vingtaine juste avec des flingues, des AK, des trucs. Et après ça, il y avait des détectives, toutes sortes. Benoît, qui est connecté comme l'Opus Dei. Un chien plus qui se fait de nos armes. Qui est le numéro 10. Qui en a quelque chose à foutre. C'est évacué tout l'étage des Nord. On s'attendait vraiment à... Ils ont cru que j'allais faire un Rainbow 4. Je leur lancerais des grenades et je pensais que j'allais faire une guerre. Quoi, qui j'ai assassiné avant même d'entrer dans les ligues majeures. La gravité de mon style de vie dans le passé amène un déploiement de la sorte. C'était à ce point-là que le sérieux dans ma façon de bouger était lorsque j'étais dans la rue. Donc, ce sont des trucs qui remontent à longtemps. Voilà le pourquoi d'un aussi grand déploiement. Je sais que t'adores cette merde de criminel. Je sais que t'adores cette merde de criminel. Ils ont sorti peut-être une, deux, trois personnes, dont Kit Carson, un DJ à Montréal, qui était comme un petit peu surpris de se faire sortir de chez eux. Je pensais que c'était pour lui. Mais en tout cas. Salut, Kit. My name is Fake Jake. I'm a DJ. I travel the globe for product. Enoch has been my neighbor for the last 7 years at the chateau. Ils disent que les murs sont faits en plâtre, il y a quelques murs de briques, et que les styles de flingue que j'ai peuvent exploser même le métal. Mais si vous êtes des ouf, je pense que je vais me prendre contre 30 mecs avec des AK et tout. Ah non, ils sont des putains d'ouf, tu vois. Maladivement, un regard régularise de la bonne façon et pour me procurer de l'armement. That day I was sleeping, I heard a very subtle knock, a gentle knock. I bolted up, right, in my bed. As I peered into my window, I saw three men completely in body armor, just basically the eyes open with assault rifles in the hallway on the wall opposite where my door is. J'apprends à piloter, mes nègres sont prêts. Two policemen came in. They told me that they would like me to leave the premises immediately, that the premises were no longer safe. Of course, I was confused. And at this point, I dressed and I went down the stairs. Hey, on n'arrête pas un autre putain de négrito qui vient de se faire tirer. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont putain de faire, hein? As they were uttering me out, they were moving battering rams. So these battering rams now were being moved towards Enoch's door. And as I was leaving to go down the steps of the chateau, I saw that they were assembling in front of his door. Les connexions sont là, les millions de mecs sont là, les tours jumelles ne sont plus là. Moi, Enoch arrive et régularise pour toi, t'entends? Ils ont tapé sec, fort. Je croyais que c'était le tapement de une petite meuf. Car le soir, avant ce soir-là, j'étais avec une autre femme. Tu vois... J'ai vu durant la semaine qu'ils m'ont eu trois femmes différentes. Alors je croyais que c'était des problèmes, des trucs de meufs. C'est sûr qu'on arrive avec nos fusils et que tous mes amis la passent. Hein? Hein? La putain bordel de petit. C'est rempli de putain de tactiques. Une escouade. Alors j'ai ouvert, je me suis jeté à terre et j'ai dit à la petite meuf, tu te rhabilles, ça vient de finir là. Et je leur ai dit, avec le style de flingue que vous possédez, avec ces lasers qui sont dans ma face, je coopère, il n'y a pas de problème du tout. Ils ont
défoncé dans le sens que, allez, c'est à terre, tu fermes ta gueule, on vient ici et on fout. J'ai vu un des flics après, dans le bureau de sécurité, j'ai dit, mais, j'ai dit, pourquoi vous avez défoncé la porte? Ben, j'ai dit, vous cherchez des armes comme sur le vidéo, donc des mitraillettes, des choses comme ça. Il me dit, ouais, mais on a entendu le bruit de la chasse d'eau. Alors moi, j'ai dit, voyons, avant de faire disparaître des armes dans le trou d'une chasse d'eau, il faut au moins appuyer deux, trois fois quand même. Je me suis jonché sur le plancher, tu vois, ils m'ont passé le truc, quoi, tu vois. Ils m'ont mis leurs menottes de merde. There's a Japanese saying which is the nail that stands out gets hammered down. Enoch prefers to be the hammer. So when a hammer is going against a hammer, there's a terrible noise. Hey, on n'arrête pas, un autre putain de négrito qui vient de te faire tirer. Oh, mais qu'est-ce qu'ils vont putain te faire, hein? Je ne cause pas avec les flics car il n'y a rien qui m'intéresse dans qu'est-ce qu'un flic peut me raconter. Donc, j'ai demandé mon droit de silence et de voir mon avocat, tu vois. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de ça, négro? Qu'est-ce que tu dis de ça? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis de ça? Je cherche qu'à réussir, réunir plus d'un million par semaine. La vie est courte, faut risquer, une autre veut tout les tuer. Tu es tous ces pédés amateurs dans cette entreprise du rap français. Je crois qu'ils ont rentré un peu trop dans le film et ont pris trop aux scènes. Moi, je trouve que c'est un Oscar qui devrait me t'entends? Ils devraient me balancer un Oscar au lieu de me foutre en tôle, car c'était que une putain de scène. Moi, c'est avec ça que je travaille, t'entends? Ils pensent que c'est un jeu. Le seul jeu, c'est que j'ai pas encore le silencieux. Putain de merde, habituellement, le silencieux est fourni à l'achat chaque jour. Et tellement que j'ai acté bien, ils sont venus, ils se sont dit noir, flingue, c'est sûr qu'on défonce, puis ça va être bon pour nous, quoi. The anti-gang task force had received quite a bit of money, quite a bit of an injection in the last months before this event. So this was largely in my mind a show of force and a show of, yes, we're showing the public that we're using this money in a positive way. On a essayé de faire un bon coup, mais je pense que ça n'a pas marché à 100%. Et puis alors là, la quantité d'accusations qu'il y avait sur lui, là, c'était pas possible. Il m'accuse de cocaïne, de possession d'armes, de toutes sortes de trucs. Tu vois, c'est eux, ça. Je sais pas ce qu'ils racontent, eux, mais moi, je peux dire que... ça va se passer en cours, quoi, tu vois. Un procès. On va aller en procès. Hein? Du calme, s'il vous plaît, c'est chaud ça. C'est chaud, on écoute. On va laisser savoir à toute la planète que Stratège est un rappeur gay noir et homosexuel. On va laisser savoir à Ruff que Stratège est un délateur. On va laisser savoir à Sifu que Stratège. Ce délateur de merde, c'est à cause de lui que je t'entoure, ce Stratège. Stratège, mais là, il est fini là, avec ce morceau-là. La petite négresse. À bicyclette. Stratège est un autre musicien québécois qui dénonce l'éloge de la violence véhiculée par Roy Enoch. Faut vraiment pas partir en panique en se disant que tous les rappeurs sont comme ça. On a énormément de mal à être pris au sérieux par les médias, les autres styles musicaux. Un épisode comme ça va juste mettre un petit clou dans le cercueil. Putain, le petit délateur de négrito avec ta tête de bingo. Pendant que tu penses me voir emprisonné, je prends feu. Et viens dans le vagin de ta femme avec ton rap stérile. En plus, tu es précoce. On va laisser savoir à Lino que Stratège est un délateur. Stratège, toi et tes macaques, ne rentrez pas sur la France. Il vient du groupe Stratège, l'architecte. C'est un mec qui vient de France, qui a déménagé à Montréal et a essayé de percer dans le rap à Montréal, la rue Larry Zébé. Puis je sur ta petite tête.
J'ai fait une confrontation avec un morceau qui s'appelle moteur 12 cylindres. L'architecte, je t'ai déjà tué. Pourquoi essaies-tu de ressusciter? Depuis ce morceau, il est mort. J'étais un délateur. La France ne veut pas de toi, ni de Kobna. Le roi Inok déchique, toi et ton clan, incluant sans pression, entouré de ses 13 blancs. Le morceau où est-ce que le roi Enoch essaye de m'écorcher personnellement, moi je trouve ça une blague parce que quand tu veux clasher quelqu'un, il faut que tu clashes quelqu'un qui est à ton niveau, qui a le même statut, tu vois, parce que bon, après une certaines années de carrière, on peut dire bon, on va régler qu'est-ce qu'on a réglé. Stratège, toi et tes macaques, ne rentrez pas sur la France, démissionne, Tabo sur ses oxy, avec le roi Enoch, les rappeurs français rêvent de poser. Tabo sur ses Osmo, c'est déjà mon poteau. Mais Roy Enoch à la base c'est un DJ qui a fui à New York pendant une dizaine d'années, il est revenu une dizaine d'années plus tard et il ne comprenait pas la réalité du hip-hop au Québec. Donc ça a amené d'énormes frustrations et puis là-dessus, il a inventé son personnage. Putnec, stratège, la petite négresse, la petite s'est volée en plus à l'arrière, il y a un banc pour bébé. Pour essayer de revenir en vie, il est venu en France à sucer des oxy-trucs. A essayé de faire quelque chose de chaud, mais la France le refuse et à chaque fois qu'il parle, qu'il vient de Montréal, il lui parle du roi. Stratège, la petite négresse, la piscine, volée en plus à l'arrière, il y a un banc pour bébé. Vu sa frustration, lui et son équipe qui militent contre la violence dans le son du roi, bande de pédales de rappeurs, ont délaté, quoi. Au Québec, Musique Plus a toujours refusé de faire tourner les vidéoclips de Roy Enoch. Et avec son arrestation, le réseau persiste de plus belle à affirmer qu'il est hors de question de promouvoir cet artiste à saveur de propagande. Vous jouez tous à Musique Plus, le nouveau nom Musique Plus. Toutes ces chaînes sont en association avec ce genre de mec, car pour eux, je suis une menace. On va laisser savoir à Sefiu que Stratège est un délateur. Stratège, la petite négresse, la bicyclette volée, en plus à l'arrière, il y a un banc pour bébé. Ils savent que je suis le prochain Céline Dion dans le monde de la musique et ça les fait peur de voir que ça soit un homme de race noire. Donc, c'est plus une question politique aussi qui fait que... Tu vois? Je sors de tôle, négro. Quelqu'un qui vient me chercher. Allez, allez. Le cortège de gendarmes. Hein? Qui venait coffrer le roi pour me ramener au cachot. Je ne sais pas si monsieur le juge va être autant sympathique avec le roi en France qu'à Montréal, je ne crois pas. Les nègres ont assez foutu de merde. Et les arabes, eux, il n'y a rien à faire. Donc, monsieur le juge... Oh non, il a laissé sortir robe de tôle. Représentatif de la rive sud. Qui est lent et triste, et en même temps bon messie. Laissez aux politiques, vous voulez. Je suis dans la madness. J'ai remarqué qu'en prison, j'étais un star. À l'établissement de détention, le gros chien est venu me prendre et a pissé sur leur établissement. A sorti son putain de zizi, a pissé à leur cul. Ils pissent partout. Tout est putain de vrai, tu vois. C'est une façon de gros chien quand on s'en fout ni une loi. On pensait de faire un coup d'éclat pour te dire la vérité, puis d'arriver avec la limo directement à la tôle, mais on n'avait pas le droit de stationner devant la tôle. Ils nous ont envoyés dans la rue et tout. Ils nous ont vus, quoi. Ils nous ont vus, mais... de ça pendant des semaines. Ouais, mais enfin... Tous les gardes, tous les caméras, tout le monde nous ont vus, quoi. Ouais, mais ils vont garder ça secret pour eux. T'as même vu toi qui pisse sur le... Ah, ils m'ont vu, ah ouais. J'ai mes avocats qui m'ont dit. Ah, j'avais envie de pisser, il n'y avait pas d'arbre, alors il y avait le panneau... Sur l'établissement RDP. De détention RDP. C'était un truc de ouf, mec. En sortant tôt, directement. J'ai remarqué qu'en prison, j'étais une star. Je taffe, et jamais je prends le temps de sortir pour voir l'effet de mon travail sur les gens. Donc, en rentrant en tôle, j'ai vu que les délaissés, comme les mecs qui vendent de la drogue, les mecs qui sont des junkies, les mecs qui rentrent pour des meurtres, des vols de banque, tout ce qui est pauvre et qui a de la misère, qui fait à fond. Pour eux, j'étais comme le pape, quoi.
Avant, le pape se promenait dans le même truc. Ils l'ont fusillé, ils l'ont mis dans une pâte mobile blindée. Ouais, ouais, ils l'ont loupé, c'est ça qui est con. Comme Sarkozy dans une Peugeot blindée. Ils l'ont loupé, hein. Ouais, Sarkozy, ça me dérange pas trop, mais le pape, là, s'il pouvait me le flinguer, là... Putain, le Benoît XVI. Benoît XVI. Collection de Ferrari. La berlinette allemande, je pense pas. Tu es un petit pédé, je pense que oui. Prison, oh, c'est super, de l'amour, tu vois. De les membres de gang aux Hells Angels, à tout le monde que j'ai vu, blanc, noir, des Chinois, toutes sortes de mafias, il y avait de l'amour à fond, quoi. J'étais comme un genre de Nelson Mandela, tu vois. Il était très heureux de sortir, hein, mais même s'il a eu beaucoup d'amour en dedans, je crois qu'il a préféré l'amour dehors. Exactement, mon frère. Ouais, 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 ouais. Il n'y a rien de mieux que sa liberté et de baiser une chienne lorsque tu veux, à l'heure que tu veux, hein, et de la faire faire de l'ecstasy à ta guise, tu vois. Allez, je rappe pour la coke, la marijuana. Rien change, plus d'argent, plus de problèmes, plus de poudre blanche. Lorsque tu es un nègre de rue, je fais du rap de rue pour les nègres de rue. La plupart de tes fanatiques sont en taule. Les vrais nègres qui font les vraies choses, je t'ai protégé. C'est dans ce sens-là que la prison était superbe. Tout ce que je voulais comme caprice était à la portée de ma main, tu vois. Toute ma vie, j'ai rêvé que des criminels soient inspirés par mon son pour se sortir de leur misère, tu vois. Donc ça fait plaisir que des gens qui font des vols de banque sont fanatiques du roi. They call me the P, nigga, we infamous mob, nigga, we can only get bigger. And things can be bigger. We that number one team, we the ghetto on streets and we pray on the way. Mettre en prison pour me faire voir comme une Kyra à la Notorious Big ou à la Tupac, ça fait plaisir, tu vois. Car ce sont des histoires qui arrivent à Snoop Dogg, à 50 Cent et à tous les Kyra qui essayent de monter au sommet aussi vite que George Bush. Ils ont toujours une aventure avec la taule, tu vois ce que je veux dire. Tous les classiques de cette planète, on dirait qu'on est forcé de voir la tôle à cause de notre façon d'être. Tu vois ce que je veux dire? Free Prodigy, t'entends? Libéré Prodigy, t'entends? Libéré Roi Enoch, tu vois ce qui se passe? Libéré le gros chien, tu vois ce qui se passe? Hmm? Faut nous sortir de tôle, il y a de l'oseille à faire. L'affaire de Prodigy de Mobb Deep est directement liée avec la mienne. Lui a été victime, on dit en anglais, racial profiling. Ton profil racial, tu vois, c'est ta couleur de peau, avec qui tu tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et trucs. Ils ont pris dans son escalade, ils ont fouillé le truc, ils ont trouvé un 22. Ils l'ont donné 3 ans et demi de tôle. Donc, si tu es un noir et tu as un certain style, t'es catégorisé comme c'est sûr que t'as des flingues. Free Prodigy, t'entends? C'est ça, là. Il faut que lui dit de mettre des caméras dans ses autos et de laisser faire les bijoux, les jantes et les trucs. T'entends? Car lorsque tu filmes la police et qu'ils n'ont pas de mandat pour arrêter ton putain de cul et que après ces putains de gendarmes manquent à monsieur juge, t'as tout sur cassette pour que ton avocat aussi y présente une preuve. Donc le message, c'est que au nom du terrorisme, notre liberté est en jeu. Donc on va vivre avant pas très très longtemps, d'ici à 4 ans, tu vois, frère, une restriction dans notre liberté, tu vois,
Donc, faut faire très attention à son, à ses antécédents et à son ADN. Tu vois ce que j'essaie de dire, mon frère? Raconter des trucs de prison, le Queensbridge, pour que vous me respectez, c'est de la merde, ça. Ça, c'est des mecs qui sucent les putains de bites. Donc, moi, c'est l'Internet et ces pédales de mouloud qui a transformé le truc. Mais j'ai pris toutes les voies que je pouvais prendre. Mais lorsque je rappais, j'escaladais des montagnes de cocaïne et les rimes étaient toujours pures et dures. Donc, mon message passait malgré ces moulouderies et ces trucs de pédale, tu vois. Alors j'ai tissé ma toile, t'entends, comme l'araignée, tu vois. Donc, et la toile, elle est peut-être en soie, mais elle est, tu comprends, elle est souple et extensible parce que des verbes. Je vais dans le 41e, numéro 13, pour aller chez God for the Port Street, tu vois ce qui se passe. Je vais aller chercher mon poteau. Comment ça se passe? Lorsqu'en fait, ça veut dire, mais est-ce que les choses se passent ou quoi? C'est comme si que tu dirais, ça gaz ou quoi? Et les vagabonds comme... qui sont officiels de Queens, comprendre le code. Espèce de petit crétin de négrito, de haïsseur de merde. Vous copiez tous le roi. Qui est l'authentique? Qui est l'original? Qui est luxueux comme Chanel? Qui est luxueux comme le champagne de la France et le luxe de Genève? Why not, bande de petites putes? Je vois ça clair dans ta tête, bande de pigistes français avec votre tête de con. Hein? 96 HLM, 6 pâtés de maison. Maintenant, tu sais de où ce que je viens, quoi. Attends, les choses se passent à fond, mon frère. Ouais. Du pont dans Queensbridge, regarde, qu'est-ce qui se passe? Une tonne de flics de toutes sortes, des camions, des autos, des patrouilles, des détectives, ils sont là, le mec est en haut du putain de train, il s'est enfui de quelque chose, il veut se buter, mais c'est putain de dingue, une meute de flics pour le mec. Le mec, là, il est sur les côtés. Il transpire, mais il est calme. Le gars, il y a le temps de prendre sa cigarette de pensieuse. Qu'est-ce qu'il va faire? Quel est son prochain mouvement? Il sort sa cigarette avec une meute de flic. Mais c'est le feu, il y a trop de vent, il essaie de fumer. Bon, je vais penser à qu'est-ce que je vais putain faire. Non, ça c'est ouf, ça. Il y a encore des options dans sa tête. Tu vois ce qui se passe? Le mec a encore des options dans sa tête. C'est chaud, ça. Il est ouf. Chanel, t'entends? Louis Vuitton, t'entends ce qui se putain passe? C'est marque, c'est PD, des coupes, c'est ce qui m'intéresse. Donc c'est doux, t'entends ce qui se putain passe? C'est chaud, l'Europe, le prestige, le luxe. J'adore ce putain de luxe original, t'entends? Tu vois pas? Faut que tu ne restes pas mes européennes, faut que tu montes tes méchants qui sont vrais, car en Amérique, ils se mettent des silicones. C'est chaud, putain. Les diamants
Avant, j'avais rien, maintenant j'ai des carottes encore. Ça fait combien de temps j'ai fait mon premier million? Dès l'âge de 18 ans, qu'est-ce que tu crois? Mon métier de maison. Tu vois, tu n'es pas, mais je nage. Regarde, mon Sénégalais. Regarde, je nage. Le putain nage, mon Sénégalais. Putain, mais c'est tout sali, ou quoi, tout ça? Hein? Putain de bordel. Au revoir. Au revoir, papa, petite pute. Why not et Nicolas, enchanté lui, alors faites attention. Ah mon Sarkozy, bientôt les autres putains de meufs vont venir rejoindre le roi pour la partouche, mon Sarkozy. Je sais que t'adores ça, hein. J'avais président en élection, maintenant c'est la partouche. Je flotte, allez, je flotte, mon plus. Sénégalais de merde, regardez comment je flotte. Paris, Mandara de putain de merde sur Paris. Regardez comment je flotte. Et les déserticules et les pompeux sont rangés tranquillement dans ces boîtes, petite pute.